Donc dans cette vidéo et la suivante, on va s'intéresser aux groupes fonctionnels. Donc on va d'abord les définir. Donc un groupe fonctionnel au sein d'une molécule, eh bien c'est un groupe d'atomes, des atomes différents qui sont liés entre eux et qui déterminent en fait le comportement d'un composé organique, notamment sa réactivité. Sa réactivité, ça veut dire sa façon de réagir dans les réactions de chimie organique. Donc on va tout simplement lister ici les groupes fonctionnels et on commence par ceux qui comportent une liaison multiple. Donc par exemple ici, on a un composé qui contient deux carbones et qui sont liés par une liaison double. Et puis on note R ici, R1, R2, R3 et R4, et bien c'est R pour le reste de la molécule, et en général ce sont des chaînes carbonées. Donc on va avoir des C et des H, mais aussi on peut avoir d'autres atomes ou voir d'autres groupes fonctionnels. Donc quand on a ici une liaison double, comme ceci, on a affaire à ce qu'on appelle la famille des alcènes. Et ici on en a un exemple. Donc on a un exemple à 1, 2, 3, 4 carbones. On se rappelle qu'on connaît le butane hein, qui a 4 carbones, 1, 2, 3, 4, et ceci ça s'appelle donc le butane. Lorsqu'on a ici une chaîne carbonée qui a une liaison double, et bien de la même façon, on compte les carbones, 1, 2, 3, 4. Donc on prend le radical ici de 4 carbones qui est but, et puis on rajoute ici, en ayant pris soin de numéroter les carbones, en prenant en compte de donner le numéro le plus petit à la double liaison, on place ici sur le carbone 1 la double liaison, et on met en fin de nom la terminaison N. Donc voilà ici pour le but 1N. On peut donner un autre exemple d'alcène, celui-ci par exemple, si j'ai un cycle ici comme ceci, qui est à 6 carbones, bon je sais que c'est le cyclohexane, mais si je lui rajoute une ou deux liaisons ici, je vais avoir un cyclohexène cette fois-ci, donc j'utilise la terminaison N, et ce que je sais, c'est que du fait de cette double liaison, eh bien, ce composé et ce composé vont avoir des comportements similaires, caractéristiques de la présence de cette double liaison. Ensuite, maintenant, si on a une liaison triple entre ces deux carbones ici, et puis ici on a deux groupements qui sont ben, le reste de la molécule, qui peuvent être identiques ou différents, ou qui peuvent être aussi un hydrogène. Dans ce cas-là, on a affaire à la famille des alcynes, et on va voir comment ça marche ici. Là, on avait les alcènes avec les terminaisons N, là, on est les alcynes avec les terminaisons I. Donc ici, de la même façon, j'ai un exemple, j'ai mes 4 carbones. Donc je vais avoir un but IN. Et puis, entre le radical but et la terminaison IN, eh bien, je vais positionner ma triple liaison. Donc je numérote mes carbones, et ici, c'est sur le carbone numéro 2, que j'ai la triple liaison, donc j'ai du but de IN. Et en fait, pour les alcynes, on les représente toujours ici de manière linéaire, parce qu'on sait que cette triple liaison impose une géométrie linéaire à la molécule. La troisième famille de composés qui concerne les liaisons multiples, eh bien c'est quand on a un cycle comme ceci à 6 carbones, avec de manière alternée ici, des liaisons simples et des liaisons doubles. Donc on a affaire à la famille des arènes. Et cet ensemble ici, caractéristique, c'est le noyau aromatique, qui est issu en fait de la molécule de base, qui est celle-ci, qui est le benzène. Donc en fait, ici, on a des dérivés du benzène. Donc c'est la famille des arènes. Donc ici, on a cet élément-là, qui est le benzène, associé à ce groupement, qui est juste un groupement CH3, donc un groupement méthyle, et on peut appeler ça donc le méthylbenzène. Donc ça, c'est un des noms possibles pour ce composé. Donc ce composé est tellement souvent rencontré qu'on l'appelle le toluène, c'est son nom commun. Donc voilà pour les trois groupes fonctionnels où on a une liaison multiple et donc les trois familles, alcène, alcyne et les arènes. Dans un deuxième temps maintenant, on va s'intéresser aux groupes fonctionnels où on aura un carbone qui est lié à un élément qui est plus électronégatif. Donc ici, à chaque fois que j'aurai R ou R' ou R seconde ici, c'est le reste de la molécule, donc une chaîne carbonée qui contient des C et des H, éventuellement aussi d'autres groupes fonctionnels. Donc quand on a ce genre de choses ici, on a un RX. X ici est un halogène, qui peut être donc soit le fluor, soit le brome, soit l'iode, soit le chlore, et qui possède ces trois doublés non-liants. Dans ce cas-là, on a la famille des halogénoalcanes. Bon, on parle aussi de dérivés halogénés des alcanes, ou halogénure d'alkyle. Voilà, il y a trois façons différentes d'appeler cette famille de composés. Donc on en a un exemple ici. On a une chaîne à deux carbones avec un chlore, donc ici ce sera le chloroéthane. Ensuite, la famille des alcools.
Donc on a cette fois-ci une chaîne carbonée qui porte un O lié simplement avec un H. Donc on a un groupement ici OH, caractéristique de la famille des alcools. Donc pareil, ici on en donne un exemple, donc on a deux carbones, donc on a un éthane, et puis on prend la terminaison ici OL pour le groupement ici OH, donc on a un éthanol, molécule bien connue. Pour continuer maintenant, toujours avec l'oxygène, donc on a d'un côté le reste de la molécule, mais ici, en différence par rapport à l'alcool, on met à nouveau un groupement alkyle, une chaîne carbonée, ou le reste de la molécule avec éventuellement d'autres groupes fonctionnels. Donc quand l'oxygène est entouré comme ceci de deux carbones, eh bien on a ce qu'on appelle la famille des hétéroxydes. Et ici on en a un exemple, donc on a ici un éthyle et ici un éthyle aussi, un des noms possibles pour cette molécule est le diéthyléther. Ou plus simplement on l'appelle aussi l'éther. On continue dans les éléments plus électronégatifs, ici avec le soufre. Là, on peut voir la similitude qu'il y a entre cette famille de composés et celle-ci. Donc c'est simplement le soufre qui prend la place de l'oxygène dans l'alcool. Donc le soufre, il est juste en dessous de l'oxygène dans la classification périodique des éléments, donc il a le même genre d'environnement électronique. Donc il a ses deux doublets non liants, il peut faire deux liaisons. Et quand il est lié comme ceci simplement avec un hydrogène et avec ici le reste de la molécule, on a affaire au thiol. Et par exemple ici, on a une chaîne à deux carbones, et pour donner le nom, on prend le radical de l'alcane, donc éthane, et puis on rajoute tout simplement à la fin thiol. Donc voilà pour l'éthane-thiol. Ensuite, on fait la même chose ici que pour les hétéroxydes, à la place de l'hydrogène, on met à nouveau une chaîne carbonée. Dans ce cas-là, on a ce qu'on appelle la famille des thioéthers. Et un exemple ici, avec le soufre, qui est lié à deux groupements ici cette fois-ci qui sont identiques et qui ont deux carbones, et on appelle ça le sulfure de diéthyle. Et pour terminer dans les éléments les plus électronégatifs liés à des carbones, eh bien on a l'azote qui peut être lié donc à trois groupements carbonés, donc ça c'est des chaînes carbonées, ou éventuellement ici ça peut être des hydrogènes. Donc ici je vais mettre que ça peut être un hydrogène. Et bien dans ce cas-là, on a affaire à la famille des amines. Et ici on en a un exemple, donc on a ici un éthyle et ici un éthyle aussi, qui s'appelle ici la diméthylamine. Donc voilà pour une première liste de groupes fonctionnels. Donc il n'y a pas de mystère, il faut les apprendre, et on va voir dans la vidéo qui suit des groupes fonctionnels qui vont engager la double liaison CO.